chic. Falcon. Oh là là. Alors là, les deux Chaser. Eh, c'est deux anciens, c'est deux mecs avec qui j'ai commencé Melee. C'est trop stylé, j'aime trop. Ouais, ça me fait plaisir. Et du coup, c'est un Falcon Zelda, Falcon Chic, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le match-up? C'est un match-up qui est en faveur de notre cher Chic, du fait qu'elle a des très bons edgeguards, mais malheureusement, Falcon, il a une des recoveries les plus nulles du jeu. Enfin, ouais, si on compte pas les personnages nuls déjà. Non, les nuls, les lotiers, voilà, merci. Mais par contre, au cours de ces années, on a trouvé qu'il y avait des petits bails à faire avec Falcon, des bons petits combos bien stylés. Donc c'est pas si dur que ça. Il y a moyen de trouver des trucs, faut juste pas se retrouver en edgeguard. Donc en clair, faut être solide. Voilà, rien. Là, tu vois par exemple. Oh! C'était trop exotique, mais. Pas besoin, c'est pas grave. Ouais, en tout cas, j'ai dit, elle était présente, c'est du et je pense que c'est ça aussi qui a poussé d'amour à la foot. Oui. Parce que clairement, la pression qu'il a mis depuis le début de la game, au moins de 30 secondes, c'est incroyable. Ouais, et là, regarde, il a des tech chaises, elles sont trop bien, JVJ. Mais il les a traînées, il les avait pas il y a de ça 2-3 mois. Il est. Avant de partir à Superbou, il était à Bordeaux, il m'a dit, ouais, il faut que je m'entraîne à faire des tech chaises. Et du coup, maintenant, il a un jeu de tech chaises qui est trop stylé, tel un Wiz Rob des familles. Ok. Oh! C'était osé, ok, qu'est-ce qui se passe? Trop malin! Il le fait revenir. Il est brillant! Malin ce Lynx! Ouais, malin ce Lynx. Je sais pas si c'était tant voulu que ça, mais. Si, je rigole, il a fait un bout dans son sens. Mais je concède, j'aime bien. Ouais, c'est vrai. Ok, pour l'instant, le petit jeu de JVJ, voilà, il est en train de guetter ça pour en dessous, mais Damo, la bonne intelligence qui se fait pas shipper. Dommage. Moi, j'aurais vu un petit shield drop. J'ai appris à shield drop récemment. Je tiens à lire quand même. Du coup, maintenant, j'arrive à savoir quand il faut faire des shield drop. Ah, je rigole, je suis le mec, je savais déjà quand il fallait en faire. Enfin bref, c'est parti, on retombe sur ce match, on s'en fout. Ok, upper, le deuxième, le bon shield de la part de JVJ. Oh, trop stylé. Ouais, in extremis, parce que là ça aurait pu partir en live. Oh, Damo qui a fait un grand saut. Je pense qu'il s'est dit, je vais faire un nid, mais il était pas en bonne position. Oh, le... Oh, non, rien. Tu vois, ça reste quand même un match-up qui est compliqué. Mais si Damo il trouve un starter, il peut envoyer un robot. Regarde, comme là par exemple, non, il me fait démentir mon petit Damo. Oh, il allait faire un tomahawk. Vas-y, l'Indien! Trop bien! Ok, ça revient. Il est en train de remettre les compteurs à 0, mais il y a quand même 83%. Mais on connaît la puissance de Falcon, on sait qu'une stock ça peut partir tellement vite. Avec un grab, s'il est inspiré, c'est ça qui fait que ce personnage est trop cool. Et JVJ, l'edgeguard, hein, l'edgeguard solide hein, de la part de Chic, et voilà, ça recharge la calache. Ok, upper qui est trouvé, pour l'instant il est en train de le gratter comme un ticket de millionnaire. Le backer est trop fort. Ah, il est chaud. Moi je pense le bon plan là. Oh, trop bien. Ok, non, nada. Nada que chi. Oh, le backer. Trop bien. Oh, aïe, 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 aïe. C'était un peu trop présomptueux ça. Et du coup, la game. J'ai. T'en es où toi? Non, mais attends, braquette, je suis en finale. Ah, tu veux jouer sur le Steam? Non, merci. Qu'est-ce qui s'est passé alors? T'as pas fait ta. Bah, oui, donc, ralasse pour le bracket. Oh, bracket. T'as pas fait tes 3 minutes d'échauffement? Si, pourtant, j'étais chaud, moi j'ai fait pour une paye. C'est stylé, hein. Je suis un choker. Ça viendra bientôt, un choker. Oh, un petit switch de la part de Damo sur Falco. Voilà, il a vu que Bang Bang était au commentaire et s'est dit je vais faire une petite signature. Signature move, non pas le signature du McDonald's. Ouais, j'ai des rêves trop nuls les gars, je vais sortir. Ok, Tech Chase, un deuxième. Ouais, c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup mangé aussi aujourd'hui. T'as mangé? Ce soir. Ah, trop bien. T'es chaud pour aller manger un petit truc après? Bah si tu veux je te bagarre vu que t'as payé le tournoi Damo Lamo. Ok, le fonder qui est trouvé, mais. Hey, ce down tilt c'était pas incroyable les gars. Incroyable. Vous avez vu comment il a rebondi? Enfin du moins comment ça l'a levé. Hey, il a des pressions hein. Des vraies pressions. C'est pas seulement un genre de Falcon et ça oriente le shield. PLS en upper. Upper NTSC ça fait bobo. Ouais, j'aime bien. Encore. Oh là là. Et en plus il a le nuage, c'est quand même indécent. JVJ c'est le mal, regarde.
Regarde son visage. Et c'est le diable. Regarde, il est tout rouge en plus là. Là, il attend qu'une seule chose, c'est faire une petite escroquerie là. Regarde le voleur, le shipper. Ok. Oh non. Ouais, c'était long, ça, de la part de Damo. Damo, je le trouve pas assez explosif là depuis tout à l'heure. Ok, backer, c'est bon. Damo devrait être un peu plus rapide là. Il faut qu'il ait un petit peu de turbo s'il veut essayer de. Bah, c'est ça qui surprend bien chez Meiji. Ça, c'est un truc que j'ai constaté généralement parce que j'ai beaucoup joué avec lui. C'est un joueur, tu vois, quand il est pas trop décontenancé, tu vois, genre quand tu lui mets pas trop la pression, qu'il a ses aises, tu vois, il peut faire son plan de jeu tranquillou. Par contre, à partir du moment où tu lui mets une bonne pression, qu'il a du mal à respirer, bah là, il y a moyen de lui faire bobo. C'est ça. Il y a un petit tech chase, un deuxième. La dash attack est bien trouvée. Malheureusement, le up smash, c'était pas le. Ouais, ça aurait pu être trop bien. Parce que là, en NTC, il y a le der dure plus longtemps et il spike. Oh, ouais, trop rapide. Ouais. Oh là là, les mouilles instantanées, mon pote. Des petites missiles là. Allez, tank frère, représente. J'avoue que je mange pas trop ça. Mais c'est bon. Ça se fait rapidement et c'est gosh. 2 minutes de préparation. Ouais, c'est ça. Si t'as une bouillotte, c'est le fou. Ah ouais. Voilà, Damo, c'est plus anti-pissé là. Il nous a fait un truc un peu folichon. Mais moi, je pense que là, il devrait repartir sur Falcon et être plus explosif. Genre plus rapide. Pas essayer de. Parce qu'à chaque fois, tu voyais quand il faisait des grands sauts, il essayait de temporiser, mais ça marche pas contre JBG. Genre, juste y aller, tu vois, tu comptes. Mais non, pas de switch. Peut-être. C'est peut-être un bait, tu vois, avec le stage. Je crois qu'il y a fait. Tu penses? Et il te fait des bons tirs. Come on! Yeah, man! Allez, Damo! Tire un minimum parce qu'on a envie de voir un max de game, un max de plaisir. Exactement, là, aussi en game 5. Il est trop fort en tech chase, mec, hein. Il est devenu incroyable. Et Damo aussi, allez, tech chase. Trop bien. Attends, on aurait pas dit qu'un truc plus chien, c'est qu'il y a une bonne note. Lucky! C'est bien, il est parti upstage pour continuer. C'est trop beau, les enchaînements de tech chase à gauche, à droite, genre vraiment quoi. Moi j'aime bien, j'adore les tech chase, je trouve ça trop cool. Il y en a qui trouvent que c'est pas ouf parce que du coup c'est systématiquement le même grade, mais c'est tellement dur à faire les gars, vous rendez pas compte quoi. Vraiment, c'est tellement dans le mental, c'est. Ouais. Alors, est-ce qu'il va. Alors il y a un peu d'aléatoire, mais est-ce qu'il va finalement. Ouais, non. Il y a du terrain. Il y a clairement du mental, t'as totalement raison. Il y a clairement de la ride à chaque fois aussi. Hein. C'est pas possible, c'est pas humain en fait de se dire qu'à chaque fois tu réagis. Il y a des moments où genre tu dis allez, je ride. Et pour l'instant ça réussit bien à JDJ. Et Damo qui. Ouais, qui a peut-être changé de musique, ok. Oh dommage, ça aurait été bien. Ok, il a le sauf. Le nick est trouvé. Ah il fait mal hein. Ah il est trouvé, s'il n'y a pas la bonne DI, tu pars direct. Tu pars sur Vénus. Ok, dash attack, le front tilt. Et il réagit bien. Ouais. Ça fait partie intégrante de son jeu, hein. Il s'en sert énormément et il a pas tort. Il a pas tort parce que c'est fort contre Falcon en Edgeguard. Ça te permet de couvrir deux options. Et Damo, oh, Damo non, tu vois Damo qui essaye de combo un peu comme sur un Species. Ouais, exactement. Ça c'est assez dur avec Falcon en vrai, c'est faire la transition. Mais voilà, il me fait démentir, non, dommage, le ring serait trop bien. Là je pense qu'il devrait genre full aérien hein, avec les combos fat. La Pekin, et c'est pas le cas, hein. J'ai déjà sur place et du coup, il se le mange pas, c'est ce que c'est le souci. Ça part de là. Il est beau le lavabo. Boum. Et. Oh non. Oh, t'as vu ce petit nerf instant, c'est nerf comment on dit, single hit nerf, voilà. Oh, horrible, tu vois, regarde. Ça va si vite, mon pote. Dernier stage, t'as donné 122% là, 3 stocks, une, tu vas partir sur un petit. Ah, c'est. Ouais, TVJ qui va, mais il a totalement raison. Ouais. Ouais. Il s'est rendu compte que ça. Ça allait être dur. Ça allait être très dur. Mais je vais juste regarder comme il est posé, mon gars.